Des Chablais au Burkina Faso, il n'y a qu'un pas, ou plutôt une ville, Chambéry, qui accueille tous les 2 ans des artistes et des artisans burkinabés afin de célébrer 20 ans d'amitié avec la ville d'Ouaïgouya. La 3e édition du festival Lafibala a débuté hier pour 3 jours de chant et de danse. Claudine Languet-Bernard, Guy L'Hôpitalier. La paraffine, c'est de la bougie qui est chauffée, fondue. Et du coup, j'enlève avec le pinceau, je l'étale et ça permet ici de conserver la couleur. C'est 20 ans d'amour, Chambéry et Ouaïgouya. Ça a démarré en 1991 et depuis, on s'est plus quitté et ça s'enrichit un petit peu plus chaque année. Et cette année, une 60aine d'artisans et d'artistes burkinabés ont fait le voyage pour venir échanger et partager avec leurs amis chambériens, à l'image d'Azeta qui, avec son association de femmes, a décidé de débarrasser la ville d'Ouaïgouya des sacs plastiques qui polluent les rues et les champs en leur offrant une nouvelle vie. On les découpe en lanières et maintenant soit on tricote avec le crochet ou bien on fait tisser avec le métier à tisser sous forme de bandes donc et de paille et on fait coudre à la machine. Ça permet d'apporter donc des petits revenus aux femmes qui font le travail. Ce qu'il ne faut pas rater, c'est le concert de Bila Kakora et de Victor Démé vendredi soir, le concert d'Ayo et du fils de Fela Kuti samedi soir, et puis surtout prendre le temps, quoi. Prendre le temps de venir découvrir le village du festival, de s'installer, de discuter avec les gens et prendre le temps de la rencontre. C'est la troupe Badema qui a ouvert le banc avant la présentation d'une création avec le groupe Monstre et le collectif Artefact. La fête de l'amitié Chambéry-Ouaïgouya est lancée et elle va durer jusqu'à dimanche.